bien, dis donc. Putain, ça m'a fait trop peur. Oh, je crois que c'était un truc qui avait explosé. Hey, c'est un bandit. Et moi, t'as fait quoi? J'ai pas compris. J'ai fait du truc dans l'œil. J'ai trop peur. Ça fait mal. J'ai rien compris ce qui lui est arrivé, moi. Il pleure. Et ça fait trop. Et il est rentré dans mon œil. Bah ouais. Ouais. Hey, c'est Jonathan sans œil. Il pleure. Je vois rien, wesh. Et du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui. Une vidéo qu'on a déjà faite, mais qu'on n'a pas publiée parce qu'on a eu un petit problème de son. T'imagines, j'ai un problème de son. Ah non, on dirait que c'est de la poisse. Et du coup, c'est quoi, Amandine? C'est le Poopsie Slime Surprise. McDonald's, je sais pas comment j'entends appeler ça. J'entends appeler ça les menus McDo. On aurait dit des menus McDo, wesh. On dirait des petits Happy Meal. Non, mais voilà, c'est les nouveaux Poopsie Slime Surprise. Ah, c'est des nouveaux? Oui. Mais ça, on l'a déjà fait il y a un mois cette vidéo. Bah oui. Bah oui, mais du coup, bah c'est. C'est les derniers quoi. Les derniers Poopsie Slime Surprise qu'il y a sur. En vente. Du coup, on va les tester pour la deuxième fois. Moi, je les ai déjà testés sur ma chaîne. On l'a déjà testé sur notre chaîne. Mais qui a pas marché. Un petit problème technique. Voilà. Mais du coup, on s'est dit pourquoi pas en faire une vidéo. Oh, presque, il m'a assommé. Du coup, on s'est dit pourquoi pas les tester parce que vous étiez hyper nombreux à nous demander de les tester. Du coup, n'oubliez pas de mettre un max de like à cette vidéo si elle vous a plu. Et nous vous mettons au défi d'atteindre les 5000 j'aime sur cette vidéo. Donc, faites péter les likes. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir. Je sais pas, je fais cet accent de merde. Une notification quand on sort une vidéo. Et si vous venez d'activer la petite cloche, mettez le mot Poopsie en commentaire. Bref, on va arrêter de parler et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Wouh. Bah ça commence bien, dis donc. Putain, ça m'a fait trop peur. Oh, je crois que c'était un truc qui avait explosé. Bon, du coup, voilà, on a nos petits Poopsie Slime Surprise forme McDonald's. Ah putain de sa race. Bref, du coup, on a des petits Poopsie Slime comme ça. On va les tester. Enfin, on les a déjà testés. Ah. Avant ça, je sais qu'on va nous poser la question. On a trouvé ça sur Amazon pour une 15aine d'euros. Du coup, voilà, c'est à peu près comme les Poopsie Slime PQ. C'est le même prix. Du coup, choisis-en un. Hein. Bah, je prends celui du milieu. Je voulais celui du milieu. Ah bah c'est un signe. Et bah là, je prends lui. Et bah je prends lui. Lui on le testera peut-être tous les deux. Bah c'est parti, on ouvre. Tu m'as, je sais plus comment ça se trouve, tu m'avais dit. Moi non plus, je me rappelle plus. Là. Ah ouais, ah, c'est pas ça. Putain, y'a du scotch et tout là. J'ai démonté la boîte. Ça commence très bien. Putain, mais y'a du scotch de partout aussi. Ils font chier. Non, mais y'a du scotch partout. Ah, c'est bon. Oh, les frites. Oh, y'a des frites. Et oui, tu t'en rappelles plus. Bah non. Les petites surprises tout autour comme dans les trucs. Mais les frites. Oh non. Allez, on ramasse. T'as toujours même plus dans les vidéos. J'avoue putain, c'est mon plus préféré. Je le lave pas en plus. Il est jamais lavé depuis que je l'ai eu. Non, c'est que le soir, tu peux passer l'eau. Ça existe les machines à laver les gens. Du coup, c'est quoi qui est autour? Mais t'as démonté toute la page. Du coup, on a l'unicorn food. Bah, il y a deux unicorn. Il y avait food. Pas ça la dernière fois, il y avait pas le truc des frites, il y avait pas le truc de hamburger. Mais bien sûr que si. Bien sûr que non. Après, il y a l'arôme surprise et l'unicorn magique. Ensuite, on va ouvrir là. Oh merde. Ça doit être le bon. Il y a plein de trucs. Ça doit être la petite. Oh, j'espère qu'il y a rien dedans. Ça, c'est quoi? Et le petit hamburger. Pourquoi il y a une notice en couleur et une notice en noir et blanc? Une notice, ça fait. Ah oui, je me rappelle. C'est la collection. Fait longtemps qu'on avait fait ça. Alors, on parie sur quoi? C'est un carré. C'est des chips. Je sais pas, moi. Je pense que j'ai. Je pense que j'ai des popitos. Moi, je pense que j'ai ça. Moi, c'est carré. Non. Moi, je pense que j'ai des popitos ou des cheetos. Non, c'est pas des cheetos. C'est des. Oh, trop marrant. Des non, t'en as un là ou là. Ou là, hein, ou là derrière. Ah ouais. Il y en a plein derrière. Oh, ouais. Ça serait trop stylé, lui. Bon, bref, on va ouvrir. Oui, j'avais raison. C'est lequel? Non. Oh. C'est les Dorites, les. Oh, c'est quoi, lui? J'avais parié sur lui, je l'ai eu. C'est une petite boîte de conserve. Ah, c'est lui. Moi, ça doit pas être un rare. Moi, c'est un rare. Moi, c'est le premier. Bah, toi, c'est un régulier. Non, je suis pas d'accord. Bah, on va ouvrir le reste, du coup. Comment? Comme ça. Allez, elle est mignonnette la petite boîte. Ouais, je l'ai jetée par terre mais après j'ai la peine de ramasser. Ouais, grave. C'est trop mignon. Oh, il est plein de feu. Oui. Ah, parce que ça, ça pique en fait. Je suis en feu, je suis en feu. Là, ça doit être le gobelet. Ouais. Hop, ok, bah nickel, le gobelet. Oh, il est vraiment plus haut. Mais allez, oh, regarde. Oh, c'est. Ah non, je veux dire, c'est l'inverse, mais c'est mon pull. Ensuite, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la cuillère. Ah oui, la cuillère. Il sert à rien. On va quand même la prendre. Bon, après, on va faire petit à petit. Hein. On va mettre ça de côté. Bah, c'est parti. À chaque fois, c'est la même chose, mais à chaque fois, je sais plus comment on fait. Tu lis? Parce que je me rappelle même toujours plus. Toujours moi qui lis. Ah non. J'en ai marre, ces cadres. Avant de commencer, couvre l'air du jeu pour éviter d'abîmer.
la cuillère. Ouvre un paquet de nourriture de licorne en le déchirant. Mais non, c'est là. Retire le couvert. Bah, faut mettre de l'eau en fait. Faut mettre de l'eau là-dedans. La tasse graduée d'eau jusqu'à la ligne de remplissage en indiquant 10 ml. Ajoute ensuite 5 gouttes d'arôme. Okay. Ah, c'est vrai, il y a des arômes. Tu commences ou je commence? Bah, je commence. Ouais. Vas-y. C'est 10 ml, c'est jusqu'au premier trait. Ouais, bah, t'en as trop là. Ah! T'en as trop? T'en as pas assez? Si, j'ai parfaitement assez. Arrête! Un peu trop quand même. Hein. Non, arrête. C'était de l'alcool ou quoi? Un petit shot. J'ai cru que c'était des petits shots d'alcool. Parfait! Bon, la water. Ça coule, regarde, des gouttes. Au niveau de la water, on est bon. On va maintenant ajouter l'arôme. C'est ça l'arôme? Ouais. Oh, j'espère que ça sent bon. Oh, regarde ça, ça peut sentir le nounours. Je peux avoir la sucette ou... Il est trop chaud, lui. C'est une petite pêche. Et moi, c'est quoi ça? Sucette ou une glace. Et moi, c'est quoi ça? Je sais pas. Oh. On va sentir, on verra bien. Ça sent le chiotte, non? Ouais. Ça sent pas mauvais. J'aime pas. Ah, ça sent les chips. Non. Si. Attends, ça sent le caramel. Non, les chips. Ça sent bien le mien, hein, pour le coup. Hein. Non, toi j'ai envie de venir. Bon, je mets tout, hein. Soyons fous, hein. Un, moi j'ai des grosses gouttes, regarde. Deux. Oh, mais bah, y'en a plus. Trois. Purée. Quatre. Et la cinquième, elle est où? Bah, du coup, ça fait plus que bah, 10. Bah, si ça. Ah, bon. Ça sent la merde. Ah non, mais ça sent le PQ. Ah non, ça pue. Ça sent le caramel, ouais. Ça sent un sirop que je buvais pour la gorge. Non. Si ça sent les chips. Après, faut faire quoi? Donc, on verse là-dedans. Ah, y'a deux couleurs, c'est ça? Ouais, je crois. Alors il y a... Bah je comprends pas, je comprends pas, c'est mélangé. Bah en fait c'est rose et jaune. C'est jaune. Ah il y a déjà la couleur. Tu mets ça là-dedans? Mais non, faut verser de là-dedans. Mmh. Purée. Caramba. Ah bah c'est jaune aussi moi. Bon, on a le même. Hop, du coup on verse toute la poudre là-dedans. Moi il est 29. Mais il y a beaucoup de poudre pour pas beaucoup de... d'eau. Hop. Et après on remue. Ah bon, voilà, c'est pour ça. Elle sert à ça la cuillère, pour toi qu'elle sert. Pour pas qu'il y ait des petits grumeaux. Ouais. Mais t'as mis l'eau là? Non. Hein? Tu l'as mis toi? Bah oui. Mmh. Ah, regarde. Non mais le 4, je suis pas mon chouri. Tous les 4 qui tombent. Faut laisser reposer 10 minutes, non, de toute façon. Retire la cuillère et ferme le couvercle 10 minutes. Ok. Oh, mais moi, je vais laisser ouvrir. Ouvrir, je vais laisser ouvert. Ah, ça me dégoûte. Ah, regarde. Allez. À dans 10 minutes. Salut, bitches. Du coup, en attendant les 10 minutes, on fait l'autre ou pas? Oui. On le fait à deux. Bah, vas-y, je te laisse ouvrir. Le plus dur. Du scotch. Bon, allez, arrache. Putain, les frites, elles se sont barrées. Oh non, c'est le même que toi. Non. Non. Donc, moi, je parie sur ça. Sur c'est quoi? Retour ça. Non. Ah, c'est ça. Non, ça doit être ça. Ouais. Non. Si, c'est ça? Ah ouais, ça me dégoûte. C'est quoi, hein? Tu vas faire rentrer la poudre par ce petit trou? Bah non, en dessous. Mmh. Ok, du coup là, bah tiens, hop, tu t'ouvres la crotte. On a un petit gobelet rouge. Oh, licorne! Licorne, chien? C'est un chien, ça. Mais pourquoi il y a une licorne? Parce qu'elles ont toutes la corne, hein? Non. Ah non. La water et tout, je te laisse la mettre et tout, vu qu'on est mort et tout. Mmh. Ah! Attention. Attention. Top! Non, tu m'en mets pas. J'arrive même pas, j'ai mal à la côte. Faut mettre l'odeur. L'odeur est. Tu sens la merde? Non, c'est pamplemousse. Oh oui, c'est pamplemousse, ça fait mal à la tête. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Bon, bah, du coup, on va mettre un petit peu. Il faut ajouter la poudre maintenant? Non, il me sent. Ça pue le médicament. Ouais. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Bah je te laisse mettre la poudre. Soit bleu, soit jaune. Oh, j'espère que c'est bleu parce que jaune c'est bon, ça va 2 minutes. Hein. C'est jaune? Non, c'est bleu. Ah. Du coup c'est bleu. Ah. Faut remuer. Je remue un peu, après tu remues, j'ai pas tout vers toi. Oh, tu remues tout seul, t'es assez grand hein. Ah, mais ça se mélange pas avec l'eau.
on va laisser se reposer pendant 10 minutes. Et une fois que les 10 minutes sont passées, on revient avec tous les slimes. Exactement. Allez, c'est pas pris. Ah, dans 10 minutes. Ah, mais merde, comment ça? J'ai un problème là. Du coup, on a nos petits slimes. Colle un peu. Mais, je sais pas si ça colle ou ça colle. On a vu, faut mélanger un peu, après ça colle plus. Ah, mais toi, il est trop liquide. Bah ouais. Le mien, il est un peu. Ah, ah non, il garde. Faut peut-être remuer un petit peu. Oh my god. Oh my fucking. Faut remuer vite, regarde. Ah non. On a mis trop d'eau. Dès que t'arrêtes, c'est mort. Ah non, 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 non. Et voilà, on part sur un bon petit slime. Regardez-moi ça. Mais il est. Il est élastique, il est. Il est bien. Tiens, prends-le. Ah. Non, c'est pareil, wesh. Pourquoi ça colle comme ça? Je pense qu'il y a un petit temps de repos encore à faire. Mais bon, si on les écoute, ça fait plus de 10 minutes déjà, nous. Faut laisser encore un peu se reposer et tout. Trop cette matière. Ouais, c'est une autre texture de slime par rapport aux autres petits slimes. Si, c'est un peu gélatineux. Et là, c'est un peu élastique. Bref, bon, du coup, voilà, on a testé les nouveaux petits poupsis. Bon, c'est pas très nouveau, mais bon, voilà, on les a testés. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si il y a des nouveaux poupsis slime qui existent et si vous voulez qu'on en fasse une vidéo pour qu'on les teste. Bye! Bye, c'est collé, ça mec. J'ai plein de slime. Abonne-toi à notre chaîne pour suivre toutes nos aventures. Et n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos en cliquant juste ici. Bye !